chez les étonnes. N'est-ce qu'on avait que les étonnes mangent le savon? Eh, hey, vraiment, là, les gens. Vous mentez, hein? Mais avant, nous faisions quoi que les étonnes mangent le savon? Ils disent que c'est le fromage. C'est faux. Ce n'est pas la vérité. Maman ne mange pas le savon là-bas. Il faut voir chez les étonnes là-bas. La danse était comme ça, maman. Avant, on dansait comme ça. Là. Maman, il faut voir. Hé, hey, la dot l'a été. Donc, je profite pour dire à mon chéri, mon amour. Tu sais, vu le mariage du président Amoud, mon cœur. Parce que le président Amoud s'est marié à 200 000 euros. 250 000 euros. Le président Amoud s'est marié à 250 000 euros. Et je me suis toujours dit, l'homme qui va m'épouser, il va mettre 150 000 euros. Chez les étoiles là-bas. Hé hey! À partir d'aujourd'hui, le gars qui va m'épouser va me doter comme chez les étoiles. Maman, les gens apprennent les choses. Oh. Ah, wonderful. Je vais citer. J'assume. J'assume. La star, c'est moi. Dans les petites poubelles qui parlent de moi, là, je ne... c'est-à-dire que j'ai choisi cette année. 2024, l'année de paix. On me dit qu'on me clash. Mais putain, mais ce sont les quoi qui me clashent? Mais pour me clasher, il faut avoir mon niveau. Donc, pensez que moi, je vais encore rentrer dans la poubelle d'avant? Non. Parce que quand les gens me voient, quand je parle, ça sonne fort. Ça sonne souvent que je suis suivi. Donc, je dois faire attention à ce que je dis. Cette année, on ne me détourne pas de mon objectif. L'événement 2024, la prestigieuse nuit de l'ambiance, le 2 novembre. C'est de ça qu'il s'agit. Et une soirée qui ne sera pas permise à tout le monde. Il y a deux photos qu'elle veut coller à l'entrée. La prestigieuse nuit de l'ambiance. Je colle deux photos à l'entrée. Si les gens là arrivent, appelez-moi même. Sinon, la soirée est ouverte à tout le monde. Hein. La personne qui peut payer son billet, venez, viens. Vous composez les tables entre amis et vous venez. Je vais clarifier quelque chose tout à l'heure par rapport à cette soirée, la prestigieuse nuit de l'ambiance. J'entends les petits ragots à deux balles, les petites menteuses qui mentent tout n'importe comment parce qu'elles veulent que je les fabrique. Si elles n'ont pas pu être fabriquées depuis, c'est moi qui vais venir les fabriquer. Gang, j'ai refusé. Nati, il y en a du fabriqué. Il go sofa. Il go sofa, non, vous fabriquez. Dites-le qu'elle reste avec l'argent, qu'elle ne veut pas. C'est quoi? On va supplier les gens. Une soirée où tu sors ta mise, on va supplier les gens, mon frère. Ça va, m'asseoir. Je m'assois et bois mon vin. Moi, je suis une junkie. Je bois propre. On a donc Yami. C'est quoi? Ma soirée, c'est juste ça. Ma soirée ne souffre de rien. Et il faut être. Et je ne vois personne qui peut faire obstacle à ma soirée. Je ne vois pas. Je ne vois personne. Je dis bien que je ne vois personne. Qui peut dire que Nyak, ça fait fia. Il n'y a pas. C'est l'ombrakata. Porte quoi? Il faut être occupé dans la vie. Je suis occupé, voyons. On n'a pas les mêmes. Écoutez-moi très bien. Nous n'avons pas les mêmes projets. Je suis fille très occupée. Mon rêve, ce n'est pas de me lever et de manger et boire, c'est tout. Ce n'est pas mon rêve, là. Chacun a chacun son rêve. Oui, ce n'est pas mon rêve de me lever le matin, manger, me coucher, regarder la télé. Ce n'est pas ma vie. Depuis, je n'ai pas regardé les réseaux. Mon rêve, c'est de bâtir, de faire mes projets, de réaliser mon projet. Donc, sans homme. Les hommes ont peur de moi. Parce que je suis fille qui réalise, qui bâtit. Sans l'appui de quelqu'un, sauf mes abeilles qui m'accompagnent quand ils peuvent. Mais parce que c'est ce qu'on voit là, ils voient déjà mes efforts, que je suis dynamique. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es dynamique, que tu fais, c'est normal que les gens t'accompagnent. Et quand tu ne fais pas le direct, comment les gens sont tristes. Les gens me cherchent, les gens pleurent. Moi, frère, c'est normal qu'on me donne. Que quand je suis en live, que les gens mettent les étoiles, que quand je suis dans le besoin, et même pas les autres, on me met en haut. Et vous m'aviez toujours mis en haut. Aujourd'hui, je veux vous dire merci encore. Merci pour la surprise, j'ai tellement pleuré. Merci à mes amis, à ma team. Je ne vous décevrai jamais. Ah, vous m'avez dit, sortez de ça ou déclenche, non, non, tout m'a fou. Vous me voyez là, est-ce que je sortis encore dans les mrakata? On dirait que le PPL est fini. Est-ce que vous me voyez, je sortis encore dans les clashs? Non. Je me mélange, c'est-à-dire que la personne qui veut me clasher pose d'abord. C'est-à-dire que la personne qui veut que moi je fais le clash investissement, je fais le clash réalisation. Je ne fais pas, je ne suis plus dans les clashs des va-nu-pieds parce que ça te fait rentrer en arrière. Les clashs des va-nu-pieds là, ça me sert à quoi en fait? On a passé tout le temps à se justifier. Tel vient mentir. Non, ce n'est pas que je ne suis plus dans le genre là. Oui, je ne suis plus, je me mélange plus comme ça, je suis désolée. J'ai pris le temps, début d'année, j'ai dit. J'ai parlé parce que suffit de paroles. Et ça ne changera rien. Je suis en concurrence avec moi-même. Mon défi, mon challenge, c'est moi-même. Donc, je ne vois personne là qui veut commencer à dire que chacun fait pour sa vie et pour soi-même. Hein? Si j'ai choisi de me concentrer sur mon Facebook, je suis guest depuis 2015, une guest star. Une fille qu'on paye pour le déplacement. Une fille qui a un agenda plein. Mon agenda plein. Ce n'est pas le bas kebajo. Depuis des années, venir tout dire les mêmes choses, mais vous n'êtes pas fatigué. Je me suis épuisé, gars, j'ai 44 ans. En septembre, j'aurai 45 ans, je suis une gamine. Je n'ai pas envie de finir dans la maison avec l'alcool que je prends. Chacun son choix de vie. J'ai choisi et j'assume. Oui, j'ai choisi d'être sur les réseaux. Je ne veux pas être sur les réseaux éternellement. Il y a les nouvelles blogueuses là qui sont en train de se battre pour venir arracher la place. Donc, les gens sortent d'ici sans rien. Je sors d'ici. Mon souvenir de Facebook sera quoi? J'ai bâti ma maison, c'est tout. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Je vais sortir de là avec quoi? Pourquoi je vais passer ma vie à venir m'asseoir là, bavader, bavader là? Vous savez pas ce travail? S'asseoir comme ça, bavader, c'est le travail. Mais c'est fatigant. Hein? C'est très, c'est fatigant. Et puis, pour dire quoi? Pour se salir son image. Quand tu passes, oh, c'est vous qui insultez sur Facebook. Qui veut l'image là encore? Mais moi, j'ai plus besoin de ça. Parce que moi, je suis appelé. Je suis dans le plus. Je suis pas seulement star derrière les réseaux. Je rencontre du monde. Mais il faut que je change complètement de mon image. Et c'est le travail que j'ai décidé de faire sur moi. Mais je ne suis pas une fille impolie. Je ne suis pas une insulteuse. On ne peut pas me qualifier de clasher. Ben non.
Vous disputez quoi sur Facebook? Vous voyez, tout le monde regarde ces choses-là. Tu passes au marché, on te connaît. Tu passes partout, tout le monde te reconnaît. Mais non, je ne veux plus. Je préfère qu'on se souvienne de moi en bonne chose. Voilà, Fleur de Lys était à cette soirée. Ça, c'est parce que c'est mon travail. Je ne viens plus jamais, je dis bien à grand jamais, sur cette toile, m'engueuler avec des personnes avec qui j'ai fait la paix. Que l'amitié soit marche ou pas. Plus jamais je ferai cette erreur. Parce que ça nous salit. Mais c'est pas mon image de me coller parce que je ne suis pas. Je suis fille bien, voyons. Je suis fille posée. Je suis fille agréable à vivre. Je suis fille adorable. Pourquoi les réseaux sociaux vont me transformer comme si j'étais la sorcière du village? Mais non, c'est des petites choses à deux balles. Je ne sais pas. Il y a beaucoup là sur les réseaux là qui sont peut-être amoureuses de moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le monde est devenu ce qu'elle est aujourd'hui. Vous voulez qu'on fasse quoi? Hein? Mais ça ne m'intéresse pas. Je n'ai même pas le temps d'avoir une relation amoureuse. Je n'ai pas le temps là. Quand vous voyez, je monte et descends dans les avions là. Je vais cogner à ce camp, non? Même si je suis avec quelqu'un, les gens, c'est pas tout fini que oh, dès qu'on te donne rendez-vous, oh, je voyage, je pars à tel endroit. Quel gars va supporter ça qui ne veut pas te nuire? Quel gars? Hein? Pourquoi c'est un sacrifice que c'est? Mais c'est un sacrifice. Monter dans les avions comme ça, comme je rentre là. Mais j'ai d'autres événements. Hein? Le 17, je suis à Toulouse. Et l'ouverture de la Tata Lolo TV, le relancement de la TV Lolo, sera, je pense, au mois de mai. Elle est en train de chercher une date. Et je vais aller couper le ruban. Soyez nombreux ce jour-là. Je ne connais pas encore le thème. Il va falloir qu'on travaille un peu, même si ça dit sans qu'on travaille un peu dessus et tout. Donc sachez que ma yam sœur chérie, ma yam sœur chou, je t'embrasse, je te fais des gros bisous comme ça. Tu sais que ma paix avec toi, c'est une place, non? C'est une place. Maintenant, tu mets tout ton gouvernement derrière toi, il n'y a pas de problème. La paix, quand tu fais la paix avec le principal, le leader, tu es en paix avec tous ses fans. Et c'est de ça qu'il s'agit. Être en paix avec tes gens qui te suivent ne voudrait pas dire que je vais peut-être discuter avec eux ou bien je ne sais pas. Mais c'est toi qui envoies le message. Tu es ma sœur. Aujourd'hui, quand je regarde, je ne sais même pas ce qu'on se disputait. Je pense qu'on nous a trompés. Je pense que tu t'es trompé et je pense que je me suis trompée. Qu'on ne soit pas les grands amis du monde. Qu'on ne soit pas les grandes copines du monde. Parce que être copine, c'est tout un travail. Tu es ma sœur et je veux que tu gardes cette place de sœur. Tu es ma grande sœur. Et je te donne ton respect que tu mérites parce que tu es ma grande sœur. Parce que c'est l'éducation. C'est comme ça qu'on nous a appris. En tant que ma sœur, j'aurai toujours des choses. Il y a des choses que je peux te dire publiquement. Il y a des choses que je peux te dire en privé. Aujourd'hui, tu es une grande présentatrice TV. Parce que les gens, ils confondent toujours tout. Ils vont prendre mal. Oh, pourquoi tu n'appelles pas Tata Lolo? Tu dis ce que tu as dit. Non. Il y a ce qu'on dit publiquement. Il y a ce qu'on dit en privé. Aujourd'hui, j'ai envie de lui dire publiquement que ma yam sœur, on a passé beaucoup d'années à s'engueuler, à se haïr, à se détester. Mais je ne suis pas... En fait, je ne te hais pas. Je ne hais personne. Je ne sais pas porter la haine dans le cœur. J'ai lavé tout ça. C'est passé derrière moi. Qu'on avance. Parce que tu lances ta télé aujourd'hui. Je suis dans l'événementiel. C'est gagnant-gagnant. Que les gens arrêtent de dire que je suis avec toi, pas à cause de la soirée. Quand tu n'étais pas là, ça a toujours donné. Mais je pense qu'on doit se tenir la main pour avancer ensemble. Aujourd'hui, tu as appelé à être une grande présentatrice web. J'aimerais te dire aujourd'hui, sans langue de bois, je suis au Cameroun. Mais toutes les personnes qui me clashent, peut-être que c'est moi, je bloque la page pour ne pas voir. Parce que j'ai choisi de le faire. Parce que tu vois, des fois, tu regardes quelqu'un, t'es sûr, ça va te faire mal, même si tu ne veux pas répondre. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de bloquer. Ma yam sœur, je te dis du fond du cœur que les gens pensent pas que je vais profiter quoi derrière toi et tu vas profiter quoi derrière moi. Nous, les vieilles gendras, qu'est-ce que je vais venir chercher derrière toi que je m'en vais profiter? Je veux qu'on se tienne la main et qu'on avance ensemble. Tous ceux qui veulent qu'on se tienne la main, on se tient la main, on avance ensemble. Regarde les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne se disent pas quoi? Ils sont ensemble. Mais au Cameroun, on ne valorise pas les blogueuses. Regardez toujours, on valorise tous les étrangers. C'est les étrangers qu'on prend, on met en haut. On nous prend seulement comme les cacas. Comme si on n'était rien. Alors qu'on se bat pour les autres. Alors qu'on soutient les autres. Alors qu'on a toujours soutenu. Mais quand c'est l'heure de manger, on commence à dire, mais les filles, là, s'insultent sur Facebook. C'est monté, c'est descendu. Bref, c'est une parenthèse. Je n'ai pas faim. Je ne suis pas une fille qui a faim. Même si je rentre au Cameroun, je n'aurai jamais faim. Pourquoi? Parce que j'ai ma team. J'ai mes abeilles qui ne me laisseront jamais enfamer. Et j'ai travaillé ma vie pour ne pas avoir faim. C'est-à-dire, même si tape le salam, il y a toujours une personne qui viendra me donner. Je ne suis pas parfaite. Parce que je suis humaine. Aujourd'hui, j'aimerais dire à Tata Lolo, tu sais, tu as valorisé beaucoup de personnes. Et j'aimerais plus que tu tombes dans ce piège. Sois ingrate avec ta Stamania. Oui. Ne partage plus ta Stamania. Regarde les gens que tu as fabriqués. Sois ingrate avec ta Stamania. Parce que chacun chez ses followers. Avant, j'ai fabriqué combien ici? Combien m'ont déçu? Combien reste? Lolo, arrête de fabriquer les gens. Arrête de mettre les gens en haut. Même si quelqu'un vient insulter pour toi, tu ne partages pas. Sois ingrate avec ta Stamania. Parce que ces gens-là, j'en ai compris. Moi, j'ai compris la manipulation des gens de Facebook. Les gens qui cherchent la Stamania. Quand ils viennent de moi, ils parlent bien de moi, je ne les calcule pas. J'ai décidé de ne plus les calculer. Quand tu parles bien de moi, quand tu fais ceci, j'ai mes abeilles que leur travail, c'est de parler bien de moi, de me valoriser. Je préfère être avec mes abeilles qui me valorisent.
Parce que vous avez joué sur nous. Quand vous venez vers moi et vous calculez pour partir, vous alliez là-bas chez Lolo, vous commencez à m'insulter, elle partage, elle vous donne les éloges pour vous donner la Starmania. Elle a beaucoup fabriqué parmi vous là. Parce que vous avez profité de notre désaccord. Quand vous venez vers moi, je ne vous gère pas. Vous parlez là, machin, vous voyez quoi? Que c'est encore l'époque où j'ai tellement fabriqué, les gens sont. Après, vous partez là-bas. Parce que maman, elle veut insulter même 100 milliards de personnes pour moi. Je ne partage pas, j'ignore. Oui, parce qu'après, c'est pour nous réclamer le travail que vous avez fait. Mais moi, je ne comprends pas. Hein? Hein? C'est bon là. Tu es appelée à être une grande présentatrice web. J'ai eu une petite fièvre. Une grande présentatrice web. Maman, pardon. Tu sais, ça me fait bizarre de le dire, mais il faut que je te le dise. Ignore les gens qui t'insultent là. Ignore, parce que ça va toujours faire la routine. En fait, ça sera toujours la même chose. C'est vrai que les gens t'aiment bien quand tu clashes, certains t'aiment bien quand tu clashes, mais en fait, c'est tout, c'est fatigant en fait. Le temps que tu dois être en train de réfléchir dans tes émissions, que tu vas créer, dans ce que tu vas faire, tu es obligé d'être dans les directs de la nuit à répondre. Maman, pardon. Ne réponds plus. Ne réponds plus. Ne réponds plus. Tu réponds à quoi? Ne réponds plus. On insulte quelqu'un et ça tue la personne. C'était juste une parenthèse. Concentre-toi sur ta télé. Tu as du potentiel. C'est ce que tu aimes. Moi, ce que je fais là, je ne sais pas pour avoir la force de faire ce que je fais, de traîner dans les soirées, de voir chacun son truc. Concentre-toi sur l'ouverture de la télé. Concentre-toi. Ça sera mieux. Je préfère que tu lises des bouquins. Tu regardes même les émissions. C'est pas, tu regardes les émissions des télés nigériens. Je ne sais pas, les émissions des autres télés, les présentatrices. Comment ça se passe? Tu regardes, tu bûches tout ça. Parce que l'effet de peut-être d'aller regarder les directs la nuit et tout, tu attends comment les autres passent, ça t'énerve, tu réponds, tout ça là, ça t'énerve. Ça fait que c'est toujours la routine, tu vois. C'est toujours la même chose et c'est fatigant, gars. Non, après c'est fatigant, sincèrement. C'est fatigant. Vrai, vrai. Bon, ça c'était pour Tata Lolos. Si elle veut bien vraiment, moi je pense que la personne que tu peux valoriser encore là, c'est ta soeur. Parce que ta soeur, hein, quand je dis valoriser, elle me dit que si tu veux la, je sais pas, partager ses lives ou bien, il y a des choses qu'elle peut faire, tu décides, tu partages pas. Bon, c'est juste une suggestion. C'est pas comme si, bon, après, tu fais ce que tu veux. Mais je veux dire. Facebook aussi nous apprend aussi beaucoup de choses. Les gens exagèrent. Tu as vu quelqu'un aujourd'hui, demain la personne tourne le dos. Tu ne comprends même pas ce que tu as fait. On revient à nos moutons. Je vous parlais donc. Porc, long châssis. 24 porcs, long châssis. 11 chèvres. 11 chèvres. Les cartons de Majunga. Majunga en français, c'est quoi? Les cartons de vin en Majunga. Les sacs de riz. Maman, pour prendre une fille étonnée, il faut avoir les dos. Prendre une fille étonne, mais les gens la demandent beaucoup à la dot. Hein. Moi, je veux que mon gars m'épouse comme ça. Donc, parce que vu que les bamiéké dont les femmes à mariage tournent, je ne parle pas comme ça. Jamais. Le gars qui va m'épouser, il va m'épouser comme si c'était une fille étonne. Non. On donne aux belles soeurs. Laisse chacun un port, maman. Un port. Chaque belle soeur, un port. Je ne peux pas aller en mariage gratuit. Depuis que j'étais chez les étonnes, que j'ai vu comment les étonnes, on épousait les filles étonnes, les filles de l'autoroute. Maman, le mariage était une réussite totale. Moi, je vois que tout ça là pour encore aller se marier à Paris. C'était bien. C'était classe. C'était chic. C'était glamour. Le meilleur risque, hein. Quand tu regardes tout ça, tu sais que le meilleur risque, c'est de se marier avec son frère Cam. Même on sait que c'est chaud entre nous. Le meilleur risque, non. Quand tu vois comment les gens te donnent les bénédictions au village. Quand tu dépenses comme ça pour une autre, la femme ne peut pas partir. On ne vous parle pas de vos choses que les Mbengis, c'est là, c'est bien donner les bouteilles, une bouteille, vous dites qu'on vous a doté là. Non, ce n'est pas une dot. Je viens de voir ce qu'on appelle une vraie dot. Ah oui. Je viens de voir ce qu'on appelle une vraie dot chez les Zétones. Les gens, allons nous marier. Hey, ah oui, Solange, les filles d'autoroute, non, c'était les filles d'autoroute. Je te dis, maman, non, ça m'a donné le goût de me marier. Donc c'est tout même gars qui va me marier, on cotise moitié-moitié, il part, il m'épouse. C'est tout ce que je peux faire pour lui. Je donne la moitié, c'est 10 bas. Parce que c'est qu'avec 10 bas, 10 bas, on peut faire le mariage ici, non? Je dirais qu'il ne veut pas repayer, hein, pour rentrer, il faut réfléchir. Hein. Quand les moustiques m'ont touché là, il dit que masse. Et les choses sont sur la tête. Wesh. Il fait chaud à Paris. Hein, il fait chaud, je vais mettre une courte perruque. C'est mieux s'il fait chaud. Que Mireille, là, j'ai 3 enfants, 3 pères. Donc moi, je ne comprends pas les femmes. Hein. Moi, j'ai 2 enfants, 2 pères. Pourquoi vous êtes mauvaise comme ça? Elle a la même vie que vous. Et comment les internautes, je dis que vous assez souvent, c'est quoi? Vous, c'est la famille qui vous dérange. Oh. Tu peux écrire, oui, tu vas avoir 3 enfants, 3 pères. C'est toi qui nourris les enfants là. Moi, j'ai 2 enfants, 2 pères. C'est quoi? Comment vous a donné les téléphones? Un choronco. Avec la connexion que vous collez sur les murs des gens pour voler. Vous venez commenter du n'importe quoi sur les pages des gens qui mangent 6 fois par jour. Tu peux manger, tu peux prendre le petit déjeuner avec la avec les cuisiniers autour de toi. Comme Muriel Blanche. Tu peux avoir la vie qu'elle a. Vous voyez, une femme travaille. Elle se lève, elle travaille. Quand tourner les films, elle a s'effacer. Elle travaille. Elle ne compte pas sur la avant que l'homme. Écoutez, les filles, allez travailler. Les hommes n'épousent plus les pauvres filles qui n'ont rien. Hein?
les hommes n'épousent plus les filles qui n'ont rien à travailler pour trouver les bons maris. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Flor Delisle, qui a conseillé Lolo Fountain de sortir dans ça. Pourquoi? Parce que quand elle regarde tout ça, pourquoi? Parce qu'elle se rend compte que les mères d'Orcas, veuves joyeuses, veulent encore l'entraîner dans les clashs. C'est par rapport à ça qu'elle a pris la ferme résolution que même si qui, même si une personne là lui provoque encore sur les réseaux sociaux, non, elle ne répond plus. Pourquoi? Parce que dès l'instant qu'elle a fait la paix avec une personne, même si la personne revient encore lui clasher, non, elle n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'elle considère que non, elle garde sa grandeur. Et je suis d'accord avec le conseil que Flor Delisle est en train de dire à Lolo Fountain. Pourquoi? Parce que ça va permettre à Lolo Fountain de sortir dans le... Lolo, c'est une présentatrice. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui observent. Ça va permettre encore que non, son blog va plus avancer. Et de là aussi, ça va aussi faire aussi sa grandeur. Pourquoi? Parce que ça va permettre mais qu'elle soit plus sortie dans les clashs et que peut-être demain ces personnes-là vont la clasher en veuve, ils vont se rendre compte que non, mais depuis en fait qu'elle clashait Lolo, elle ne nous reprend même pas. C'est comme ça aussi que ces personnes-là vont abandonner. Même aussi un conseil à Lolo, il faut donner plus les fabriques. En tout cas, vous avez